et retourne et tourne. Ce sont des cercles, attachez vos ceintures. Les roues sont des cercles, les roues tournent et tournent. Ce sont des cercles, attachez vos ceintures. Les roues sont des cercles. Les fenêtres des maisons sont des carrés, chaque maison en a deux. Le carré des fenêtres, les fenêtres des maisons sont des carrés, chaque maison en a deux. Le carré des fenêtres. Les tentes dans la jungle sont des triangles, ne t'en mêle pas. Dans les triangles, les tentes dans la jungle sont des triangles, ne t'en mêle pas. Dans les triangles, des tentes. Les wagons du train sont des rectangles roulant en file indienne. Les voitures sont des rectangles, les wagons du train sont des rectangles roulant en file indienne. Les voitures sont des rectangles. Regardez dans le ciel, l'étoile en forme d'étoiles avec leurs cinq côtés pointus. Ce sont des étoiles, regardez dans le ciel. Les étoiles en forme d'étoiles avec leurs cinq côtés pointus. Ce sont des étoiles. Le ballon de foot et les œufs sont ovales, ovales, un bagel aussi. Les ballons de football sont ovales. Le ballon de foot et les œufs sont ovales, ovales, un bagel aussi. Les ballons de football sont ovales. Et si doux, en forme de cœur, ne le démontez pas. Mon oreiller en forme de cœur, mon oreiller est si doux. En forme de cœur, ne le démontez pas. Mon oreiller en forme de cœur. Regardez le cerveau l'envoler. C'est un losange, volé au-dessus du bus scolaire. Le cerveau en losange. Regardez le cerveau l'envoler. C'est un losange, volé au-dessus du bus scolaire. Le cerveau en losange. De la ruche sont des hexagones sous le soleil. Les ruches sont des hexagones. Les murs de la ruche sont des hexagones sous le soleil. Les ruches sont des hexagones. Enfants, pourquoi pas une nouvelle chanson? Comment elle s'appelle, Bob? Elle s'appelle la chanson des actions.
Il s'agit de toutes les bonnes actions que nous faisons. Alors pendant que je chante, tu dois faire l'action. Dès que tu entends le gong. Ça a l'air amusant. Exactement. Allez, amusons-nous bien avec la chanson des mots d'action. Ding, ding, dong. Vous entendez ma chanson des actions quand je frappe le gong. Frappez, frappez, frappez dans vos mains. Ding, ding, dong. Vous entendez ma chanson des actions quand je frappe le gong. Balancez, balancez, balancez vos jambes. Ding, ding, dong. Vous entendez ma chanson des actions quand je frappe le gong. Sautez, sautez, sautez à la corde. Ding, ding, dong. Vous entendez ma chanson des actions quand je frappe le gong. Sautez, sautez, sautez sur une jambe. Ding, ding, dong. Vous entendez ma chanson des actions quand je frappe le gong. Marchez, marchez, marchez en ligne. Ding, ding, dong. Vous entendez ma chanson des actions quand je frappe le gong. Construisez, construisez, construisez un château. Ding, ding, dong. Vous entendez ma chanson des actions quand je frappe le gong. Criez, criez, criez à tue-tête. Ding, ding, dong. Vous entendez ma chanson des actions quand je frappe le gong. Faites tourner, tourner, tourner le ballon. Ding, ding, dong. Vous entendez ma chanson des actions quand je frappe le gong. Levez, levez, levez vos mains en l'air. Ding, ding, dong. Vous entendez ma chanson des actions quand je frappe le gong. Faites, faites, faites du vélo. Ding, ding, dong. Vous entendez ma chanson des actions quand je frappe le gong. Rompez, rompez, rompez par terre. Ding, ding, dong. Vous entendez ma chanson des actions quand je frappe le gong. Tirez, tirez, tirez sur la corde. Ding, ding, dong. Vous avez aimé la chanson d'action quand je frappe le gong. Frappez, frappez, frappez dans vos mains. Génial! Nous apprendrons d'autres mots un autre jour. Il est temps pour nous de rentrer à la maison. Montez à bord. À manger, tellement de sortes de nourriture. Des aliments sont savoureux, d'autres sont bons. Avec certains, c'est la malbouffe. Peut-être qu'ils sont mal compris, mais tous sont de la nourriture. Poulet rôti et dinde, vous serez rassasié et guiré. Poulet rôti et dinde, vous serez rassasié et guiré. Des sandwichs pleins de légumes et de fromage, vous pouvez en manger quand vous voulez. À manger, tellement de sortes de nourriture. Des aliments sont savoureux, d'autres sont bons. Avec certains c'est la malbouffe. Peut-être qu'ils sont mal compris, mais tous sont de la nourriture. Un hot dog et une pizza, ça vous plaira sûrement.
Glace et hamburger, tu peux pas être un simple observateur. On dit que c'est de la malbouffe, mais c'est très bon. Vous devez trouver un équilibre et en manger avec parcimonie. À manger tellement de sortes de nourriture. Des aliments sont savoureux, d'autres sont bons. Avec certains, c'est la malbouffe. Peut-être qu'ils sont mal compris, mais tous sont de la nourriture. Puis il y a le steak et le bacon, les spaghettis et les pâtes secouées, le shashlik et le poisson, vous pouvez tous les manger. Bien qu'il semble que ce soit une très grosse commande, et ajoutez le dessert. Laissez-moi applaudir vos efforts. À manger tellement de sortes de nourriture. Des aliments sont savoureux, d'autres sont bons. Avec certains, c'est la malbouffe. Peut-être qu'ils sont mal compris, mais tous sont de la nourriture. Apprenons des choses sur les pronoms pendant que nous mangeons. Est-ce que vous voulez? Il y a des pronoms au menu, Bob. Non, Johnny. Si vous avez beaucoup à dire, les pronoms sont la voie à suivre. Au lieu d'un mot, vous pouvez utiliser un pronom. Laissez-moi vous dire comment vous pouvez utiliser un pronom. C'est moi, toi et lui, nous, eux et elle. Ok, laisse-moi ralentir, plus froncement de sourcils. Un pronom à la fois et avec des rimes. Si vous voulez dire il y a une sœur qui s'appelle May, vous pouvez utiliser le mot elle. Maintenant vous avez compris. Je crois que oui, Bob. Je peux dire elle a une sœur qui s'appelle Marie. Très bien, Mary. Tu viens d'utiliser le mot je. C'est un pronom, dis-moi pourquoi. Parce que je a été utilisé à la place de Marie. Oui. Bien d'avoir utilisé des mots qui sont rares. Elle a dit, je crois que oui. Donc je est un pronom utilisé à la place d'un mot. Maintenant, essayons de chanter quelques phrases d'abord avec des noms seulement, et ensuite en remplaçant les noms par des pronoms. Ok, Bob. Polly adore le milkshake de Polly. Polly aime son milkshake, donc son est un pronom utilisé à la place d'un nom. Le hamburger est gros et savoureux. Il est gros et savoureux, donc il est un pronom utilisé à la place d'un nom. Polly, Jack et Jill s'amusent bien. Nous nous amusons tous, donc nous est un pronom utilisé à la place d'un nom. Johnny dit que Johnny adore les frites. Johnny dit qu'il adore les frites, donc il est un pronom utilisé à la place d'un nom. Tu aimes Bob le train. Oh, est-ce que tu m'aimes? Donc, est un pronom utilisé à la place d'un nom. On t'aime, Bob. J'aime Jack, Jill, Johnny, Marie, Polly. Moi aussi, je vous aime. Donc, vous est un pronom utilisé à la place d'un nom. Jack est ami avec Johnny. Jack est ami avec lui, donc lui est un pronom utilisé à la place d'un nom.
Les gens regardent les enfants et Bob, il nous regarde. Alors il et nous sont des pronoms jusqu'au bout. Quels sont les pronoms que nous avons appris aujourd'hui? Nous et il, lui et elle. Moi et nous, vous et moi. Il et elle. Vous apprenez vite les enfants. Voyons maintenant à quelle vitesse vous avez fini vos hamburgers. Pourquoi as-tu écrit ton nom, Bob? Parce que nous avons une leçon amusante aujourd'hui. Et c'est à propos de nous tous. Je m'appelle Bob, et Bob est un nom. Je suis un train est un nom. Qu'est-ce qu'un nom? Je suis sûr que vous allez demander. Laissez-moi vous montrer, ce ne sera pas une corvée. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Laissez-moi vous indiquer quelques noms. Ça va être quelque chose d'amusant à faire. New York, mes amis, avec ses hautes tours. Hollande, oh la Hollande, avec ses jolies fleurs. Parc Avenue, un endroit avec très peu de bruit. Ce sont des lieux et ce sont des noms. Une toupie de folie qui tourne partout. Une jolie poupée qui porte une couronne. Une clochette dorée qui fait un bruit. Ce sont toutes des choses et ce sont des noms. Jill et Jack qui adorent manger. Polly et Marie qui ont toutes les deux l'air si soignées. Et le petit Johnny qui nous aide quand on va mal. Vous êtes toutes des personnes et donc des noms. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Allez, jouons à un petit jeu. Je vois un mot et vous me dites si c'est un nom. Est-ce que c'est un nom? Vous devrez le dire. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à l'épeler. Ok Bob, nous sommes prêts. La balançoire à bascule. Un nom. Le canari jaune. Un nom. Correct. Le garde. L'herbe. Ah non. Grande et profonde, la mer d'Arabie. Colorée et libre, cette belle abeille. Les noms, ils sont partout. Il n'y a pas un endroit où on ne peut pas les trouver. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Oui! J'espère que vous apprécierez la leçon d'aujourd'hui. Nous avons toujours plus à apprendre et tellement plus de choses amusantes à faire. Alors, à la prochaine fois! Au revoir! Les enfants,
Vous savez qu'on a 5 sens avec lesquels on peut percevoir le monde qui nous entoure? Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. On voit avec nos yeux. Je peux voir avec mon œil. Toutes les couleurs, formes et paysages, toutes les merveilles du jour et les étoiles dans la nuit. Je peux voir avec mon œil. Toutes les couleurs, formes et paysages, toutes les merveilles du jour et les étoiles dans la nuit. Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. Nos oreilles nous aident à entendre. Je peux entendre avec mon oreille de belles chansons que les gens chantent, tous les sons du monde et le plus petit bruit. Je peux entendre avec mon oreille de belles chansons que les gens chantent, tous les sons du monde et le plus petit bruit. Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. Le nez nous aide à sentir. Je peux sentir avec mon nez. Les odeurs agréables de la cuisine et les fleurs et les parfums. Certains sont mauvais, d'autres sont bons. Je peux sentir avec mon nez. Les odeurs agréables de la cuisine et les fleurs et les parfums. Certains sont mauvais, d'autres sont bons. Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. Avec la langue, on peut goûter. Je peux goûter avec ma langue, toute la nourriture que maman cuisine et le goût de sa cuisine est meilleur qu'il n'y paraît. Je peux goûter avec ma langue, toute la nourriture que maman cuisine et le goût de sa cuisine est meilleur qu'il n'y paraît. Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. Notre peau nous aide à toucher et à ressentir. Je peux ressentir avec ma peau. Tout ce que je touche est la chaleur du câlin de papa quand il me fait des câlins. Je peux ressentir avec ma peau. Tout ce que je touche est la chaleur du câlin de papa quand il me fait des câlins. Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. Cette fête a été tellement amusante. Finissons cette merveilleuse journée sur une chanson, d'accord? Que diriez-vous d'une chanson sur les adjectifs? Oui. Rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Ensemble et non, les adjectifs travaillent en équipe. Pour décrire un mot, c'est mieux avec un adjectif. Apprenez à mieux connaître un mot avec un adjectif. Regardez ce que nous avons ici, un ballon flottant dans le vide. Vous pouvez dire que c'est rouge et rond et que cela flotte au-dessus du sol. Donc rouge et rond décrivent le ballon. Ce sont des adjectifs. Absolument. Regarde ce gâteau. Que pouvons-nous faire de lui? Est-ce que c'est savoureux, chocolaté, délicieux? Malheureusement, pas très nutritif. Savoureux, chocolaté, délicieux. Dans l'eau, que voyez-vous? Quand vous regardez au fond,
c'est bleu étincelant et limpide. Cela reste comme cela tout au long de l'année. Parce que rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Ensemble et non, les adjectifs travaillent en équipe. Pour décrire un mot, c'est mieux avec un adjectif. Apprenez à mieux connaître un mot avec un adjectif. Et voilà le chien du voisin. Il ne dormait pas comme un loir. Maintenant il est actif et dynamique. On peut même dire qu'il est sportif. Peut-on aussi dire qu'il est brun et poilu? Bien sûr! Les adjectifs rendent une phrase amusante. Il peut également y en avoir plusieurs. Heureux, joyeux, bon et drôle, courageux, intelligent, doux et ensoleillé. En regardant ça, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que c'est gris ou brillant comme le jour? Ou diriez-vous que c'est coloré? Ou diriez-vous que c'est beau? Vous diriez que cet arbre est grand. Il suffit de regarder la façon dont il se tient. Ou diriez-vous qu'il est gros et grand? Il est même plus grand que le mur. Wow, Bob, les adjectifs sont tellement amusants. Parce que rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Ensemble et non, les adjectifs travaillent en équipe. Pour décrire un mot, c'est mieux avec un adjectif. Apprenez à mieux connaître un mot avec un adjectif. C'était une fête magnifique, les enfants. Je n'aurais pas pu imaginer une meilleure façon de passer mon temps. Merci pour la leçon, Bob, et pour la merveilleuse fête. Et merci, les enfants, d'avoir regardé. Ne manquez pas notre prochaine leçon, qui sera tout aussi amusante. Au revoir. Hé les enfants, c'est tellement amusant de faire de l'exercice. Faisons de l'exercice sur ma chanson Ba-ba-da-ba. Pliez les genoux puis touchez le ciel pour l'exercice du matin. Pliez les genoux puis touchez le ciel pour l'exercice du matin. Rebondissez, sautez, ba-ba-da-ba. Rebondissez, sautez, ba-ba-da-ba. Rebondissez, sautez, ba-ba-da-ba. Rebondissez, sautez, ba-ba-da-ba. Penchez-vous à gauche, et maintenant, penchez-vous à droite. Penchez-vous à gauche et penchez-vous à droite pour l'exercice du matin. Penchez-vous à gauche et penchez-vous à droite pour l'exercice du matin. Bondissez, sautez, ba-ba-da-ba. Bondissez, sautez, ba-ba-da-ba. Bondissez, sautez, ba-ba-da-ba. Bondissez, sautez, ba-ba-da-ba. Pouvez-vous toucher vos orteils? Maintenant, levez-vous et clignez des yeux. Touchez vos orteils et clignez des yeux pour l'exercice du matin. Touchez vos orteils et clignez des yeux pour l'exercice du matin. Bondissez, sautez, ba-ba-da-ba. Bondissez, sautez, ba-ba-da-ba. Bondissez, sautez, ba-ba-da-ba. Bondissez, sautez, ba-ba-da-ba. Bougez les hanches. Maintenant, levez les bras en l'air. Bougez les hanches et tirez-vous pour l'exercice du matin. Bougez les hanches et tirez-vous pour l'exercice du matin. Bondissez, sautez, ba-ba-da-ba. Bondissez, sautez, ba-ba-da-ba. Bondissez, sautez, ba-ba-da-ba. Bondissez, sautez, ba-ba-da-ba. Allongez-vous et balancez vos bras. Et maintenant, étirez-vous.
Balancez vos bras et tirez-vous pour l'exercice du matin. Balancez vos bras et tirez-vous pour l'exercice du matin. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Frappez dans vos mains et sautez. Les filles et les garçons, applaudissez, sautez pour l'exercice du matin. Les filles et les garçons, applaudissez, sautez pour l'exercice du matin. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. N'est-ce pas amusant de faire de l'exercice? Et c'est aussi très bon pour la santé. À bientôt. Hé les enfants, laissez-moi vous raconter l'histoire du roi Cole. Le bon roi Cole était un galuron, quel bon vivant c'était. Il demande à sa pipe, il demande à sa soupe, et ses trois violonistes complets. Chacun avait un violon, quel beau violon c'était. Oh, il n'y a rien de tel pour le commandement mortel que les trois violonistes au complet. Le bon roi Cole était un galuron, quel bon vivant c'était. Il demande à son épée puis son bouclier et ses trois chevaliers au complet. Chacun avait une épée, quelles belles épées c'était. Oh, il n'y a rien de tel pour le commun des mortels que les trois chevaliers au complet. Le bon roi Cole était un galuron, quel bon vivant c'était. Il demande à sa poêle et sa pâte à crêpe, puis les trois cuistots au complet. Chacun avait ses recettes, quelle bonne recette c'était. Oh, il n'y a rien de tel pour le commun des mortels que les trois cuistots au complet. Le bon roi Cole était un galuron, quel bon vivant c'était. Il demande à sa couronne, il demande à sa cape, puis ses maîtres de garde-robe. Chacun avait une grande cape, quelle belle grande cape c'était. Oh, il n'y a rien de tel pour le commun des mortels que les trois maîtres de garde-robe. Les enfants, vous avez déjà rencontré Monsieur Muffin ? Connaissez-vous Monsieur Muffin, Monsieur Muffin, Monsieur Muffin? Connaissez-vous Monsieur Muffin qui vit chemin Nectarine? Oui, je connais Monsieur Muffin, Monsieur Muffin, Monsieur Muffin. Oui, je connais Monsieur Muffin qui vit chemin Nectarine. Allons donc voir Monsieur Muffin, Monsieur Muffin, Monsieur Muffin. Allons donc voir Monsieur Muffin qui vit chemin Nectarine. Oui, allons voir Monsieur Muffin, Monsieur Muffin, Monsieur Muffin. Oui, allons voir Monsieur Muffin qui vit chemin Nectarine. Monsieur Muffin est très drôle. La prochaine fois, allons voir plein d'autres gens rigolos. Avec Bob le train.
Dans un chêne vivait un vieux hibou. Plus il voyait, moins il parlait. Moins il parlait, plus il entendait. Ah si on pouvait être comme ce vieux hibou. Qu'est-ce que les vieux hiboux sont sages? Dans un chêne vivait un vieux hibou. Plus il voyait, moins il parlait. Moins il parlait, plus il entendait. Ah si on pouvait être comme ce vieux hibou. Vous avez aimé cette chanson? À bientôt avec Bob le train. Hé les enfants, vous avez vu la famille des doigts? Où est le pouce? Où est le pouce? Je suis là, je suis là. Tu vas bien aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Enfuis-toi, enfuis-toi. Où est l'index? Je suis là, je suis là. Tu vas bien aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Enfuis-toi, enfuis-toi. Où est le majeur? Je suis là, je suis là. Tu vas bien aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Enfuis-toi, enfuis-toi. Je suis là, je suis là. Tu vas bien aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Enfuis-toi, enfuis-toi. Où est l'auriculaire? Je suis là, je suis là. Tu vas bien aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Enfuis-toi, enfuis-toi. Où est la famille? On est là, on est là. Vous allez bien aujourd'hui? Nous allons bien, merci. Enfuyez-vous, enfuyez-vous. Connaissez-vous l'histoire des trois souris aveugles ?
trois souris aveugles. Trois souris aveugles. Voyez comme elles courent. Voyez comme elles courent. Elles courent tout après la femme du fermier, qui leur coupe la queue d'un couteau armé. Vous n'avez rien vu d'une telle ombrée que trois souris aveugles. Trois souris aveugles. Trois souris aveugles vont vérifier leurs yeux, vont vérifier leurs yeux. Le docteur leur a donné des lunettes. Les souris alors ont très bien pu voir. Remercier le docteur et dire au revoir. Les trois souris aveugles. Souris aveugles, trois souris aveugles sont rentrées chez elles. Elles courent tout après la femme du fermier, qui s'enfuit et crie à gorge déployée. Le couteau, les souris l'avaient caché. Les trois souris aveugles. Trois souris aveugles ont pris des pansements. En chantant la pommade les a soignées. De belles longues queues leur sont repoussées. Pour vivre heureuses elles étaient préparées. Les trois souris aveugles. Ça, c'était une histoire vraiment bizarre. À la prochaine fois! Bonjour les enfants! Dansons! 1, 2, fais mon lacet. 3, 4, tapez à la porte. 5, 6, ramassez les brindilles. 7, 8, les aligner. 9, 10, une pouille grassouillette. Et voilà plus! 11, 12, creuse et fouille. 13, 14, les domestiques font la cour. 15, 16, les domestiques dans la cuisine. 17, 18, les domestiques attendent. 19, 20, mon assiette est vide. En voilà plus! 1, 2, ferme mon lacet. 3, 4, tapez à la porte. 5, 6, ramassez les brindilles. 7, 8, les aligner. 9, 10, une pouille grassouillette. Et voilà plus! 11, 12, creuse et fouille. 13, 14, les domestiques font la cour. 15, 16, les domestiques dans la cuisine. 17, 18, les domestiques attendent. 19, 20, mon assiette est vide. 1, 2, ferme mon lacet. 3, 4, tapez à la porte. 5, 6, ramassez les brindilles. 7, 8, les aligner. 9, 10, une pouille grassouillette. Et voilà plus! 11, 12, creuse et fouille. 13, 14, les domestiques font la cour. 15, 16, les domestiques dans la cuisine. 17, 18, les domestiques attendent. 19, 20, mon assiette est vide. Vous vous êtes bien amusés? À très bientôt. Pluie, 20 ans, un autre jour réveillant, petit Johnny veut jouer. Pluie, 20 ans.
Pluie, pluie, 20 ans. Un autre jour réveillant, petit Johnny veut jouer. Pluie, pluie, 20 ans. Pluie, pluie, 20 ans. Un autre jour réveillant, petit Johnny veut jouer. Pluie, pluie, 20 ans. Pluie, pluie, 20 ans. Un autre jour réveillant, petit Johnny veut jouer. Pluie, pluie, 20 ans. Pluie, pluie, 20 ans. Un autre jour réveillant, petit Johnny veut jouer. Pluie, pluie, 20 ans.